gang, c'est Clo-Clo en compagnie de Tommy, que vous avez sûrement vu dans la dernière vidéo. Puis là, ben, aujourd'hui, genre, j'ai fait une grosse découverte à Rimouski. Ça s'appelle ma boîte à MB. Pour avoir plus d'informations sur la boîte à MB, vous avez juste à aller sur leur Facebook, écrire la boîte à MB et vous allez y retrouver le numéro de téléphone, l'adresse et vous allez pouvoir voir tout ce qu'ils ont en magasin. Tout ce que j'ai acheté là-bas, environ 3 vidéos là-dedans. On commence avec celle-là. Puis j'en ai d'autres qui vont s'en venir prochainement. Puis c'est ça, ils m'ont donné des collants. Puis une petite carte d'affaires. Fait que, on va commencer. On a quand même un peu de stock. On a deux drinks. On a des bonbons. On a du chocolat. On a même des bonbons mexicains. Genre, c'est vraiment hot. Tu veux commencer par ce qui dégoûte plus les bonbons? Tu veux commencer par les bonbons mexicains? On en a trois. Il y en a un qui c'est des bonbons, je pense. Mais dans le fond, c'est comme des trucs avec épicé dessus. En tout cas, c'est mexicain, là. Fait que c'est épicé, là. J'en ai deux avec des. Je pense que là, c'est des morceaux de mangue. Puis là, ben, c'est des bonbons. Genre. Lequel tu veux commencer? Est-ce que sandia, c'est melon d'eau en mexicain? Fait qu'on commence avec le melon d'eau. Et ça a de la colle, hein? Oh! Ah, ça sent plastique! Non, la plastine. Ah, c'est clairement de la plastine. On peut pas manger ça. Voici le petit bonbon en question. Genre, c'est vraiment... Ça remonte le sac. J'ai pas mis de sac, fait que t'es obligé de l'avaler. Ok, mais si tu veux cracher, crache sur la table. Ok, je vais aller chercher un champignon. Ah! Hey, c'est dégueulasse. Moi, je bois pas en plus! Ouais. Et ça, c'est, ça a l'air d'être des morceaux de mangue séchés. Hey! Hein! Est-ce que je me suis coupé? Il est un peu moins pire que l'autre. Santé publique, là, ne devrait même pas autoriser ça. Il nous en reste un qui ressemble au premier, mais c'est en mangue. Genre, ça ressemble à un gosse. Non, oh, c'est pas vrai! Ça goûte plus à mangue. Mmh. Les deux en mangue sont bons. Parce qu'ils ont tous le côté piquant. Celui-là, Tommy, est-ce qu'on l'approuve, lui, du melon d'eau? C'est de la grosse merde. Hein. Ça, on l'approuve pas, c'est la tire. Les autres en mangue, mon préféré dans tout ça, c'est lui. Mais le fruit séché qui goûte pas la mangue, mais qui goûte pas mauvais. Mais, je suis curieuse par ça. Des genres de biscuits. D'après ce que je peux voir, il y a de la crème qui goûte la fraise dedans. Que on peut pas ben savoir c'est quoi, là. C'est pas mal chinois cette affaire-là. En tout cas, je vais vous montrer le packaging. C'est quand même assez cute, les petits pandas. Ça fait chinois. Oh, ils ont des formes différentes. Oh, ils ont des dessins. Okay. Ça sent le biscuit. Oh, wow. Oh, wow. J'achèterais une caisse. Fait que ça, c'est un grand oui. On va goûter la Kit Kat au chocolat. Au fraise. Une 4 aux fraises. Je sais pas, j'ai bugué sur les fraises. Ah! Mon dieu, je sais pas si tu faisais pas. Oh wow! Ça sent la crème molle! Ça sent genre, tu sais, la crème molle 3 couleurs, là. Napolitaine! C'est ça! La napolitaine. Ça goûte les fraises chimiques. Genre, ça goûte pas le bon vrai. Genre, comparé à l'autre, là, qui goûtait moins chimique que ça, là. Fait que t'as mis ça. Est-ce qu'on approuve ça? Oui. Pas ça là. Non, je vais finir. Est-ce qu'on se lance pour une boisson? Ok. Je vais attendre d'abord. Pour ceux qui me connaissent dans mes vidéos, ok, je suis une fanatique des Simpsons. Je suis arrivé puis les Simpsons jouaient. Ouais. Elle mange, les Simpsons jouent. Adore, les Simpsons jouent. J'ai des souliers des Simpsons. Genre, les Simpsons sont un peu finis. Puis quand. J'ai vu ça. Genre. La bière de Homer. Breuvage à l'orange pétillant. Ah, il n'y a pas de l'air d'avoir tant de bulles. Hey, ça a de l'air toxique. Check la couleur, on la voit. Mais, vous savez, les. Mr. Freeze, orange. Ah, oui, ça goûte ça. Ça goûte ça dans l'eau pétillante. Qu'est-ce que t'en penses pour approuver ou désapprouver ça? J'approuve,
mais si je pouvais mettre une note là-dessus, je mettrais genre un 6.5. C'est une très belle pièce de collection. Est-ce qu'on s'amuse à faire de quoi d'amusant? Ok, go! Dans le fond, c'est un suçon. Genre, ça paraît pas de ça, mais c'est un suçon que nous-mêmes, on plie. Il faut plier comme au ça. Au complet? Ouais, c'est ça que j'ai vu. C'est genre un rêve d'enfant qui se réalise aujourd'hui. Voilà! Oh non. Oh! Moi, je suis sûre. C'est sucré, par exemple. Moi, j'arrête, là, c'est trop sucré. Ah, moi, tu veux le finir, genre? Tu veux le finir? 2 hours later. Seven hours later. Toi, ton avis là-dessus? Je suis vraiment contente de l'avoir essayé. Mais est-ce que je vais en racheter? Non. Non, moi aussi, c'est la même chose. C'est sucré. Ouais. C'est sucré, vraiment intense. Fait qu'est-ce qu'on l'approuve ou pas? Je pense que je l'approuve. On va y aller. Avec 16. Pourquoi une marque de céréales fait des bonbons genre? Parce que les faux clous, ça. Ça existe depuis le... Genre ma grand-mère, son arrière-grand-mère, je suis sûr que ça existait. Là. Genre c'est aussi vieux que les dinosaures. Est-ce que tu penses que ça va genre goûter les froufloux? Ensuite que c'est les extraterrestres. Yo, ok, ça sent les froufloux. Oh tabarouette. M'a goûté le rouge, moi, cette fois-ci. Ok, je me le voulais. Ça goûte les froufloux! T'as peur, là. Je trouve que ça goûte les froufloux. Ça goûte la citronnelle, je sais pas pourquoi. La citronnelle? Ah, il est orange, lui, quand même. Je te donne un orange. Qu'est-ce qu'on voit, c'est bien dire? En vrai, ça goûte pas la citronnelle. Ça goûte la poudre qui reste dans le fond de boîte de céréales. Tellement! Genre, c'est vraiment... Ah! Ah! Mais what the fuck? Les Froufloos Gummies sont approuvés. C'est une théière, Tommy. T'as-tu que je viens de remarquer? Ouais. C'est que j'ai mis ma ring light, mais j'ai pas allumé la lumière. Là, dans le fond, j'ai deux saveurs différentes de Gummy Krabby Patty. Dans le fond, c'est des bonbons hamburger. J'en ai une saveur de melon d'eau, puis l'autre, je sais pas trop quoi. On va commencer par celui-là. Okay, okay. Après ça, on va se rincer la bouche avec celui-là pour finir pour bien avec déguster. Le melon d'eau. Il y a très longtemps, Tommy raffolait de Bob l'éponge. Tommy collectionnait ses livres, ainsi que sa prof de environ 4e année, si je ne m'abuse. Elle m'a offert pour ma fête un gâteau de Bob l'éponge qu'elle avait fait elle-même pis sa sœur. Le croyez-vous? Fucking gâteau de Bob l'éponge. Pas facile de faire un gâteau avec des trous, là. Oh, c'est de l'emballage séparé, genre. Ah, c'est donc bien décevant. J'suis pas rendu à l'Halloween. Il y a des couleurs différentes. Ils sent cute, par exemple. Je sais pas. Oh, wow! Oh, ça sent bon! Ça sent genre les pommes vertes. Ah, oh, ok! Les saveurs sont écrans derrière! Fait que lui, à Tommy, c'est aux framboises bleues. Moi, c'est justement aux pommes vertes. Il y en a, le mauve est au. En vrai, il est bon. Moi aussi, il est vraiment bon. Colin! Tommy! Est-ce qu'on approuve? Moi, j'approuve. Moi aussi. Approuvé. Maintenant, on y va avec cette Energy Drink de Rick et Morty. C'est pas écrit vraiment quelle sorte de saveur, mais c'est une boisson énergisante. Mais ça, tu gardes la canette aussi. Ouais, ouais, t'as-tu vu la belle canette, genre, elle est vraiment belle. Ça sent ça. Il y avait aussi... Ça une... sent... Ah, oh, merde, c'est la même couleur en plus. Mais c'est la même couleur, la même affaire. Peut-être un peu. Mais écoute, dis, tu vas le voir, mais me semble que ça serait écrit, genre, la même chose. Non, ça goûte pas pareil. Mais... Je suis pas fan. Mais tu sais, c'est une boisson énergisante. En plus, c'est écrit toxique. Hein? Toxique, oui. On va virer à flou récent. Est-ce que, Tommy, mon ami, on approuve cela? Pour être honnête, je le mets entre les deux. On le met au milieu. On y va avec le Krabby Patty au melon d'eau. What the fuck? Sans la gomme ballon. Puis pourquoi j'ai une pomme verte au beau milieu pour imiter la salade? Ben là, c'est sûr. Pour imiter la salade, ils mettront pas une salade rose. Ben, pourquoi ils ont mis la boulette rose? Appelle-les puis demande-le. Est-ce qu'on appelle pas, ouais? Non, t'es-tu malade?
Oh, wow. Non, un goût de parfum. Tu rires? Je trouve ça gueule des bananes. Est-ce qu'il y a une infirmière ici qui écoute ça, qui pourrait lui passer un test de grossesse, s'il vous plaît? Ça a pas dit. Pourquoi un test de grossesse, sérieux, quand même? Je suis pas destinée à manger ça. Genre, y'a pas un goût vraiment prononcé de melon d'eau, genre du style vraiment chimique comme le melon d'eau de Sour Patch. C'est drôle, mais celui-là, personnellement, je l'approuverais pas plutôt. Non plus. On approuve le premier, mais on approuve pas. On va vous présenter notre coup de cœur. Genre, notre grosse découverte, puis celui-là qu'on a crissement pas aimé. Moi, personnellement, là, c'est vraiment ça. C'est la même chose pour moi. Ce serait genre full, puis je mettrais ça dans mes lodges d'école. On vous le conseille vraiment. C'est normal que Chloé, elle aime ça, c'est des bits size. T'as eu, toi aussi, t'aimes ça. Puis, je pense qu'on est d'accord pour les deux dire que ça, c'était oh my god, ça, gang, là, c'est Satan, c'est Baal-Zébuth, c'est l'enfer. Ça, achetez-vous pas ça. Si vous voulez try, à vous de guesser ça, mais genre... Puis même la compagnie l'a prédit, là. Elle montre. Allez le jeter. Si vous voulez découvrir le magasin, c'est la boîte MB à Rimouski. Je vais vous mettre l'adresse dans le début de la vidéo. Si vous avez aimé ça, ben c'est sûr, like. Deux vidéos qui vont s'en venir prochainement, que je n'ai pas encore tourné, mais que je devrais faire d'ici très bientôt. Laissez un commentaire. Abonnez-vous aussi, genre, pour savoir quand je ressors des vidéos. Ben c'est ça, passez une belle journée, belle soirée. On vous souhaite que du bonheur. Fait qu'on vous dit, bye! Bye!